20 ans, t'es encore là. T'es comme un peu le père du rap au Québec. Est-ce que tu le sens comme ça avec la nouvelle vague qui arrive? Oui, puis non. Des fois, je me sens comme ça, comme quand je suis en studio puis que je vois que je suis le seul qui écrit ses paroles sur un bout de papier. Je suis peut-être old school, man. Mais sinon, non, je me sens comme si j'avais 18 ans. Je suis en top shape, man. On pète tout. Ça fait juste commencer. Yo! Sans pression, vraiment cool de faire ça avec toi. What's up, man? En forme, bro? Ouais, super. Yes, man. No doubt. Je te ramène fin des années 90. La seule chose que le Québec connaît du hip-hop, c'est Dubmatic. Mais à ce moment-là, c'était tellement marginal. Aujourd'hui, on est vraiment plus habitué d'en entendre. Il y a entre autres la nouvelle plateforme RapKeb de iHeart. Mais à cette époque-là, là, faire du hip-hop, c'était comme... c'était un loisir. Là. Ouais, c'était un loisir, puis c'était aussi comme une aventure. On savait pas trop ce que ça allait donner, mais on y croyait. C'est pas grand monde y croyait. L'hip-hop avait beaucoup de préjugés. Notre style d'hip-hop avait beaucoup de préjugés. Puis Dubmatic m'ont donné la confiance que ça pouvait marcher. Puis il y avait pas grand-chose au Québec. T'sais. Ça a pris du temps avant que les médias embarquent. Le peuple n'a jamais été en retard. Les rappeurs ont jamais été en retard. Comme je me rappelle, 97, Spectrum, Club Soda, Jam Pack rempli, Francofolie, il y a 22 ans. Je pense qu'au début, les médias ont eu peur. Aujourd'hui, ils voient bien, man, avec des louds, avec des coriaces, avec des tiseaux, puis tout ça. Ils comprennent, t'sais, mais ça a pris du chemin, man. Ça a pris du temps. Puis du temps, on s'est battu pour ça, nous autres. Je te ramène un peu plus loin, 2013. Tu nous as fait un peu peur parce que. Avec Vagabond, ma religion, tu nous as dit que c'était l'heure de la retraite pour toi. Y croyais-tu vraiment à cette époque-là? C'est arrivé une couple de fois dans ma carrière que j'ai voulu accrocher les patins, je vais pas mentir. Ça m'arrive encore des fois d'en avoir marre du rap, d'en avoir marre de la musique puis d'en avoir marre de l'industrie parce que je suis pas un gars qui veut shiner. Là. Je le fais parce que j'ai de quoi à dire puis que j'aide du monde. T'es un des pionniers au Québec du hip-hop. Là, tu te retrouves avec une belle gang de jeunes. Il y a un beau mélange. Yeah. Maya Ali, Loud, Corias. Yeah. Qu'est-ce que tu vas montrer à ces jeunes-là, à ton public aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais leur montrer, man? Je vais juste leur montrer que, yo, SP sans pression, T-Kid, on est là, on était là, puis on va être là, tu comprends? Puis comme on est avec vous, vous êtes avec nous, puis c'est le mouvement hip-hop québécois, là, à la fin de la journée, on est ensemble, man. On va montrer à l'industrie que l'hip-hop québécois, c'est number one à tout le monde, de Montréal jusqu'en France, de Québec jusqu'en France, puis partout sur la planète, il y a de quoi qui se passe au Québec. Il y a de quoi de gros qui se passe. Fait que le monde, il faut qu'il se réveille, puis pas juste ici, everywhere. C'est l'âge d'or du hip-hop. L'âge d'or au Québec, man. Rap Keb, full effect. Sans pression, SP. Thanks, man. Yeah, man.